Bonjour, voici la séquence 3 en conjugaison. Attention, concentre-toi et écoute bien. Dans cette séquence, nous allons nous rappeler quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif. On peut utiliser le présent de l'indicatif dans plusieurs circonstances. Premièrement, on utilise le présent de l'indicatif pour raconter des événements qui se passent au moment où l'on parle. Par exemple, je regarde la vidéo. Deuxièmement, j'utilise le présent de l'indicatif pour raconter des événements qui se sont passés avant ou bien après le moment où l'on parle. Par exemple, demain soir, je regarde la vidéo. Et enfin, troisièmement, j'utilise le présent de l'indicatif pour raconter un événement qui se produit souvent ou bien qui est toujours vrai. Par exemple, je vais à la piscine tous les mercredis. Voilà, tu sais tout pour utiliser le présent de l'indicatif. Tu peux t'entraîner avec le questionnaire qui suit. Bonne révision! Et à bientôt !